Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, on se retrouve pour un opening case et nous ne sommes pas sur Counter-Strike comme vous avez l'habitude de le voir sur YouTube, nous sommes sur H1Z1. Alors H1Z1 c'est un jeu auquel je joue quand même depuis maintes années, hein. J'ai même été sans faire l'américain quasi presque dans les premiers à y jouer. Il y a d'ailleurs pas mal de rediffusions d'H1Z1 sur ma chaîne secondaire, n'hésitez pas à aller les voir. Et là je me suis dit pourquoi pas être original les amis. J'avais envie d'ouvrir des choses, voilà, j'avais envie d'ouvrir des choses. Et je me suis dit les caisses CSGO vous envoyez beaucoup sur internet, voilà, certains aiment, certains n'aiment pas. Je me suis dit pourquoi pas innover, pourquoi pas ouvrir des caisses sur H1Z1. Sachant quand même que j'ai pas mal de caisses accumulées au fil des années. Et il y a des caisses en plus qui sont maintenant introuvables et mine de rien qui coûtent la bagatelle de 1, 2 ou 3 euros si tu veux les acheter à part et les ouvrir. En plus de ça, on m'a dit qu'apparemment il y avait des skins qui valaient 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros et même un ou deux qui valent 1000 euros, c'est incroyable n'est-ce pas? Je me suis dit pourquoi pas essayer de rêver, pourquoi pas essayer de vous faire rêver si j'arrive à tomber sur des trucs assez sympas. Je m'y connais pas assez dans les skins donc je compte sur vous évidemment dans les commentaires de cette vidéo pour me dire si j'ai trouvé des trucs assez bien ou littéralement que de la merde, hein, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, et les gars, essayez pas, voilà, vous pouvez pas me vexer les gars, faut y aller maintenant. Si c'est de la merde, il faut le dire, hein. Ah parce que j'en ai ras le cul, moi sinon je propose plus rien les gars, hein. Moi je propose plus d'opening, ok. On va commencer par les showdown crates. Alors bien évidemment, show must go on, comme dit, comme on dit nulle part, hein, parce que nous sommes en 2017 et plus personne ne dit ça. On va tous les déverrouiller, j'en ai 12. J'en ai 12, celles-ci, on peut les avoir que sur le store, moyennant 20 centimes, un truc comme ça. Les skins de H1Z1, je connais pas mal ce counter en termes de valeur et tout, mais là, je connais pas beaucoup les skins de H1Z1. Donc vous allez me dire vraiment en commentaire, je compte sur vous, si c'est cool, si c'est de la merde, et puis voilà, hein, me vexez pas. On est parti pour la première caisse, hop, parce qu'on est professionnel, je tire dans chaque attache, et on commence avec quelque chose de nul, hein, évidemment. Ah bah pourquoi pas, il me reste 11 caisses. C'est le code couleur qu'il y a dans Call of Duty, dans Counter-Strike. Vert, bleu, violet, orange la plupart du temps. Donc dès que c'est orange, c'est légendaire, cousin. Tu sautes au plafond, je saute au plafond, on saute au plafond, et puis tout le monde s'encule, quoi. Bon, enfin bon, hey, on n'en est pas encore ici, d'accord, on verra ça un petit peu plus tard. Je sais que vous êtes impatients, mais quand même, ok. Allez, on est parti, on en ouvre encore quelques-unes. C'est pas mal. C'est pas mal, R/H1Z1 shirt. Je sais pas du tout ce que ça vaut réellement. Je compte sur vous dans cette vidéo. C'est pas... C'est de la merde, c'est de la merde, hein. Là par contre je sais que c'est de la merde, hein. Ah merde, non, again. Ah c'est terrible, bon, dites-moi si les trois premiers qu'on a ouverts étaient bons. On continue, on s'arrête pas. Voilà le legging, bah les gars, fallait... J'ai eu le t-shirt, j'ai eu le chapeau, ah bah faut le legging. Faut le legging, sinon ça sert à rien, hein, vous me comprenez. Alors là, on est extrêmement chanceux, on a beaucoup de verres, c'est un réel plaisir. J'ai sorti le Marcel, je vous avoue que l'été arrive. Là, faut sortir le sans manche, les gars. Ah, mais je l'ai encore, c'est qu'elle est pas rare du tout, c'est que c'est chiant, là. Là, c'est que c'est chiant, c'est qu'on commence mal un opening. Et c'est le même legging encore, hein, on me dit dans l'oreillette. on me dit que, attention, il va y avoir des soirées legging qui vont s'organiser en live. Ah, c'est nul. Je l'ai déjà, ça devient chiant, hein. Bon, c'est bleu, c'est pas dégueu en soi. Je peux le revendre au moins 30 centimes et bien évidemment, me recréer un maximum d'argent derrière, un maximum de bénéfices. Non, bien évidemment, tout ceci n'est que mensonge. C'est de la merde et on me le donne deux fois, hein. On m'a dit, les gars, une fois ça suffit, on te le redonne deux fois. Bah, c'est au cas où, voilà, c'est au cas où. Je peux en mettre un derrière, un devant. Il manque plus qu'un sur la tête et on est bon, les gars. J'ai la collection de sacs, donc c'est plutôt cool. Pour l'instant, il faut savoir que j'ai mis 40 balles, hein, pour ouvrir ces caisses-là. Je sens quand même que je ne regrette pas que je passe une bonne soirée avec vous. L'important, c'est d'être ensemble. Le retour du Marcel. Les gars, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le retour du t-shirt dégueu. Pour l'instant, évidemment, c'est avec... Et le petit masque SM avec la petite ouverture pour la bouche, c'est quand même un maximum de plaisir à l'heure actuelle. Alors j'espère que vous kiffez, que vous êtes là à dire, putain B-Boy, là t'as quand même un opening de qualité incroyable. Là t'as quand même un opening, gros, nous on est là, on a des frissons, on sait pas ce qui se passe. C'est terrible, c'est terrible. Ah bah je suis au bord des larmes. Bah faut un suspense, hein, faut un suspense. Évidemment qui dit plus rare dit forcément plus cher ce qu'on peut avoir. Ça veut pas dire qu'on va avoir plus cher, ça veut dire juste que pour l'instant on se fait quand même relativement bien enculé. Hein. Allez, on continue, on ouvre une caisse et c'est un t-shirt incroyablement laid, hein, que nous avons pour cette petite invitationnale. Et bien évidemment, un t-shirt aussi laid que le premier qui tombe.
Je pense qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, j'ai une rentabilité littéralement incroyable qui pourrait faire jalouser les plus grands. On a une nomade. Alors là, on a une nomade. J'en ai qu'une, donc faut pas déconner, les gars. Faut pas déconner, elle est là, elle est toute seule, frère. On sait pas ce qui se passe. C'est parti. Oh, c'est un baggy. Un baggy avec une chaîne. Ça tombe bien, j'en avais besoin avec mon masque SM. Ah bah là, pour les soirées à la fistinière, les gars, moi je suis royal. Hein. Ah bah, je mets mes bottes de sécu, les gars, et puis c'est parti. Hein. Soirée fistinière, on s'encule comme Jaja. Hein. Ouais, bon, écoutez, pour l'instant, j'ai pris un maximum de plaisir. On peut bien évidemment tous rigoler et se dire que je n'ai pas de chance, hein, bien évidemment. Allez, on est parti, première. Et ça passe sur des petites bottes violettes. Bien évidemment, littéralement incroyable, je pense. Ça passe sur un masque de hockey. Voilà, Eagle Hockey Mask, hein, pour être précis. Ça passe sur un Skulludy, hein, vraiment que des skins verts, on apprécie. Là, on se procure un maximum de plaisir et de bonheur. Tu sens ces 40 euros. Oh, c'est pas mal ça. Pinstrip Sweet Jacket. C'est pas mal ça, un petit costard. Enfin, un haut de costard. Ok, j'ai tout ouvert. J'ai tout ouvert et à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, dites-moi si le sweet vaut quelque chose. Parce que là, je me sens pas bien. Hein. Je me sens littéralement pas bien. On va ouvrir l'infernal quand même. Bon, on va tous les débloquer au final. Hein. Vous me connaissez, je vais toujours craquer. Ah bah là, les gars, c'est tellement impressionnant tout ce que j'ai que je me dis, on peut pas s'arrêter là. Ah bah, on est obligé de fournir quelque chose, les potes. Donc, on va fournir quelque chose. C'est parti. Boum. Hop. T'as déjà vu un sweet aussi moche dans le rap game? Et ben voilà, on l'a, les gars. On l'a, ça part très très vite avec moi. On est parti. On est parti. On va ouvrir deux Predators. On va ouvrir deux Westland, ça me paraît pas mal ça, moi j'apprécie. Tiens, on va ouvrir deux Westland, et puis on va ouvrir nos caisses qui valent, bien évidemment, la peau du cul. Alors, on a une première armure incroyable, incroyable mais vrai. Regardez comme ce joueur américain ne débloque rien du tout, et se fait arnaquer en vidéo devant sa communauté. Mais que vont-ils devenir les abonnés? Allez, c'est parti, on ouvre. Oh, ça part très vite sur un masque de hockey. Ça devient chiant. Congratulations, évidemment, hein, bien évidemment, toujours féliciter celui qui se fait arnaquer, c'est bien connu dans le milieu. Ça devient chiant parce que, à moins que mon petit costard vaille quelque chose, là, ça devient gênant, hein, on va pas se mentir. Hein. Ah bah, je suis gêné, je sais pas pour vous, mais ouais, voilà, on arrive à rien. Sniper Farmer Jacket, on arrive à rien. On est parti, les gars, on va l'ouvrir, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Open one, c'est parti. J'ai retiré une première attache. Alors, faut savoir que j'ai tiré ici, l'attache d'ici s'est retirée. Les gars, c'est normal. Ça s'appelle des balles sifflantes. Hein. Tapez ça sur internet, ça n'existe pas, c'est moi qui viens de l'inventer, mais c'est un nouveau concept. Oh, waouh. Ah, je suis content, et putain. Waouh, j'ai quand même un foulard, quoi, je veux dire. Bon, là, on est sur une bonne vidéo, hein, d'accord. Donc, je pense qu'on aura quand même une ou deux provocations. Mais, hé, les gars, on n'est pas là pour juger. Pour l'instant, tant que vous prenez un maximum de plaisir à me voir souffrir, bah, moi, ça me fait plaisir. On est parti. Voilà, hein, on part sur un verre, évidemment. Ça devient chiant. Et voilà, Long Johnson T-shirt. On ouvre les deux dernières caisses. J'aimerais bien finir en beauté, mais j'y crois pas. Et ça devient chiant. Allez, il me reste deux caisses, c'est parti. C'est parti, voilà, hein, police slack, hein, c'est un plaisir. C'est un plaisir, et DOA Oudi, c'est le même plaisir, hein, qu'on vit là. Bon, écoutez-moi, là je commence à poser mes couilles sur la table, ça va faire mal et ça va vibrer, je vous le dis. Hein. On peut pas s'arrêter là, j'ai rien eu d'incroyable. Et ça devient chiant, quoi, si t'es là, t'as rien d'incroyable, tout de suite, c'est pas la meilleure vie, tu vois. Donc on va ouvrir le reste des caisses. Je demande du violet. Là, faut savoir que dans la valeur d'ouverture des caisses, bah, j'ai lâché 80 balles, hein, je vous le dis. Hein. Ça va être terrible. Donc, on est parti. Il nous reste 4 caisses. C'est parti. Un bonnet. Un bonnet vraiment intéressant, hein, quand même. Ça fait plaisir. Voilà. Même si je voudrais vous faire gagner quelque chose, je peux pas. Je peux pas, il n'y a rien. Ah, un autre foulard. C'est incroyable. Un autre foulard bleu. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Oh, bah tiens. Eh, hey, vous savez ce qu'on dit, hein. En mai, fais ce qu'il te plaît, hein. Voilà. Oh putain, c'est terrible. Allez, un petit kaki boni, ça fait plaisir. Hein. Vraiment, là, je vis à l'heure actuelle un moment incroyable. Je vais ouvrir nos deux petites caisses, là, qu'on a là. Et puis, je m'en vais me défenestrer très rapidement. Allez. Ah, cette caisse
c'est beaucoup plus résistant que les autres. Ah, c'est chiant. Madame, faut vous ouvrir. J'ai beau tirer sur toute la sécu. Regardez comme ce youtubeur a payé une caisse et n'arrive pas à l'ouvrir, c'est incroyable. Sans doute la caisse la plus chère du game. Là, c'est chiant. Pour l'instant, je me procure un maximum de plaisir. Et là, j'ai eu des... Ah non, 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 d'accord. D'accord, en fait, ils ont réinitialisé l'intérieur, donc j'ai eu, bien évidemment, des bottes. Toujours pour mes soirées à la piscinière, hein, je vois qu'on pense à moi. Oui, un legging moulburn, c'est bon, ça. Je vous montre les dangers avant tout, hein. Ne mettez pas comme moi 80 balles en espérant avoir du légendaire, comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas. Hein. Ça ne... Oh non, c'est chiant, là, par contre. C'est trop chelou, ça, que ça fasse ça. Oh, Flaming Skull Fez Bandana. Bon. Voilà, hein, pour l'instant, vraiment, on est bon. On va en ouvrir, on peut en ouvrir plus qu'une. On ouvre notre dernière, qui est une Frostbite. Et on va voir un petit peu, bah, on va voir ce qu'elle nous fournit, tout simplement. C'est la dernière caisse. Écoutez, voilà, voilà, on repart sur un foulard. Là, j'ai une collection de foulards, je pense ouvrir une boutique très bientôt. Écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. À vous de me dire ce que j'ai eu d'incroyable ou ce que je n'ai pas eu. Bien évidemment, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire si j'ai eu des trucs super cool. Et surtout, grâce à la chaîne secondaire, j'ai pu voir que vous appréciez les openings. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si sur du H1Z1 ça vous plaît aussi. Si vous préférez autre chose, peut-être du Counter-Strike encore une fois, ou du Call of Duty, hein, avec le prochain Call of. En tout cas, dites-moi un petit peu si les openings, en termes général, ça vous crée un suspense et une tension littéralement incroyable. Je vous fais énormément de bisous, n'oubliez pas le j'aime pour ma souffrance, et le commentaire, bien évidemment. Je compte sur vous dans les coms pour me dire ce qui est cool et pas cool, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, surtout. Bisous, bisous, ciao, ciao.